Salut. Bon, on va aller chercher notre colis. Allez, c'est parti. Yeah. Allez hop, on dépose le sac juste ici. Et puis nous, eh ben on s'en va chercher le colis. Salut mon chaton. Eh, hey, fais pas ta pute Dark Ball, laisse-moi rentrer s'il te plaît. Ok, donc je viens de déposer mon sac chez moi. Et là, on y est presque. On va arriver au lieu de livraison, récupérer le colis. Dans 5 minutes à peine j'y serai, c'est magique. Allez, on y go. Nous y voilà, ça va être le moment fatidique. Allez, on va demander nos cartes de visite. Je suis fait douillé, oui je dois revenir à 16h. Ouais, la machine pour les colis, pour les données, elle fonctionne. Pas pour le moment, c'est génial. On apprécie la bonne humeur, mais bon, c'est pas grave, je reviens à 16h. Et puis à 16h, bah, vous aurez ce qu'il faut. 2 hours later. Devinez quoi? Ça serait pas le colis? Et ouais, je viens de le recevoir. Par contre, j'imaginais pas aussi petit que ça. Franchement, je suis étonné. Bon, on va unboxer ça chez moi, donc allez, on est parti pour unboxer ça. Salut. Donc voilà, donc là, j'ai mon colis qui est juste là. On va le récupérer et... Vous entendez ce bruit? C'est pour faire une miniature, la tête que j'ai fait. Je vais l'ouvrir comme ça devant vous, c'est peut-être mieux. C'est un colis qui s'ouvre pas de tous les côtés, je crois. Ah, si, c'est séparé, oui. Donc là, c'est le haut qui est un peu séparé. À déclipser du bas. Et j'ai peur que toutes les cartes tombent, en fait, dès que je l'ouvrirai. J'espère que non. Ah, c'est galère à une main. Je vais me cogner contre ma joue pour que ça tienne. C'est galère. Oh, on va ouvrir comme ça. À l'arrache, on respecte pas le colis. Oh, mais dis donc, c'est emballé sous forme de boîte. Il y a plusieurs boîtes différentes en fait, regardez. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et attendez, on va ouvrir encore plus. Ok. Alors, vu que j'en ai pris 500, oui, je sais que c'est beaucoup. J'ai un peu abusé, mais c'est pour la bonne cause. Non, je... Voilà, on a un, le second. Oh, calme-toi, toi. Merci. Il était en train de s'ouvrir. Qu'est-ce donc que cela? Hop, tout 50% off. Bon, c'est un peu galère de le lire en même temps de vous le montrer. Christmas gift and more. See Riverside for offer details. Oh mon dieu. Et on a les détails derrière. Waouh, Amazing. Et qu'est-ce qu'il nous reste dans la boîte maintenant? Il nous reste un élément qui est juste là. Je sais pas si vous le voyez. J'avais demandé en plus des cartes de visite. De quoi pouvoir les stocker sur moi, certaines. Et pouvoir en distribuer, quoi. Sinon, bah, ça n'a aucun intérêt, en fait. Donc, voici... Si j'arrive à l'ouvrir. Oui, c'est là. Ok. Voici le... Putain, mais ça fait chier les boîtes comme ça. Le truc, il voulait pas sortir. Bon, est-ce que on va réussir à l'enlever? Oui, parce que là, il y a un autre plastique. Et ce plastique-là... Ah bah non, il est aussi bloqué. D'accord, ok. Aujourd'hui, j'ai pas de chance. Déjà que j'ai dû attendre tout à l'heure pour chercher le colis. On m'a dit, nope, reviens plus tard, dès que je suis venu à 14h. Et voilà. Je sais pas combien je peux en stocker dedans. Ceci est une boîte de 250, normalement. Ceci est un porte-carte de visite de je ne sais pas combien. Je doute que je puisse en mettre vraiment beaucoup dedans. Regardez-moi la dimension. La proportion entre ce truc et ce truc. Oh, bon là, ce que vous attendiez tous. Et moi le premier, en fait. C'est... Hop, ce qu'il y a à l'intérieur. Si on en sort une. Oh, oh, oh. Oh. Ok. On va dire c'est de la bonne couleur quand même, les autres trucs, c'est juste une carte en bord là. Binning, mais je sais pas ce que c'est par contre. C'est un code barre je crois, mais je sais pas pourquoi ils la mettent. Genre, c'est la première que j'ai pris, je me suis dit, mais c'est pas la bonne. Oh là, j'en ai une bonne. Non, toujours pas. toujours pas, c'est pas la bonne. D'accord, c'est un autre truc de code barre, d'accord, ok. Si on sort celle-là. Oh, oh, mon dieu, oh. Si satisfaisant, regardez-moi ça. Regardez-moi cette magie-là. Designé sur Photoshop. Et le fond et le dos, designé sur Photoshop. Si c'est trop flou, je vous mets un aperçu des cartes. Recto, verso, voilà. Même si c'est pas flou comme ça, vous l'avez quand même. Et waouh, c'est du carton, par contre, du coup. C'est du carton. Oh, ça allait pas être aussi solide qu'une carte, genre comme vous avez au lycée, à la cantine, ou voilà, au collège, par exemple. Mais ouais. Ouais.
C'est tout petit en vrai. Enfin, c'est une dimension de carte, quoi. Si on compare par... Mais oui, de toute façon, c'est la même dimension que les autres. Mais c'est un abus. Et là, je vais sortir... Ah bah non, je vais sortir mon téléphone, en fait. Mais vous, voici le QR code. Essayez de le scanner. Voilà, c'est un petit test. Et puis moi, je vous affiche en plus la version PNG que vous essayez encore plus de la scanner, voir si les deux fonctionnent. Vous allez voir que ça fonctionne normalement. Si j'ai pas fait de la merde, voilà, c'est fou. Et dans l'autre, on a la même chose. On a le même... Le même troll avec les cartes. Oh mais non, c'est pas la bonne. Yay. Et combien on peut en mettre dans l'étui? C'est ce que tout le monde se demande. Combien? C'est pas l'étui. Je suis con. Combien on peut en mettre dans cet étui là? C'est parti, bah on va tester. Allez hop, je prends tout ce paquet là. On va essayer de les incruster là dedans. On les cale bien comme ça et... Oui. Ah bah non. Ça veut pas descendre, ok. Donc là, on fait descendre. Et je vais devoir les compter après, dès que j'en aurai mis le maximum. Voilà. C'est fermé, c'est comme une Pokéball, on dirait. Pikachu, sors de ta Pokéball! Non, je suis là, c'est pas Pikachu. Bon, en tout cas, je vais compter combien il y en a là-dedans, maintenant. Allez, combien il y en a? Galère de sortir, déjà. Merde. Heureusement qu'il y en a pas d'autres qui sont tombés par terre. J'aurais jamais pu les compter, c'est... 1, 2, 3, 4, 5... Putain, mais on dirait que je joue un jeu de cartes, que je compte les cartes. 30, 31, 32, 33, j'ai réussi à en mettre. 33 qui étaient dans cette boîte. C'est plutôt cool. Évidemment, je m'en doutais que les 500 n'allaient pas rentrer dans l'étui. Voilà. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bah, vidéo de la chaîne normale, parce que là, c'était un unboxing de mes cartes de visite que j'ai mis un peu partout, que je vais devoir ramasser. Non, c'est pas des êtres humains qu'on masse, non. Mais je vais devoir les ramasser, voilà, ils sont un peu partout, c'est un peu chiant. Mais bon, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !